born corrupted, as I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. And that is what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that is what makes us who we are. Your suffering will be legendary. Even in hell. Even in hell. Merci Pinhead pour ce rappel et cette menace. Partie 3, non, partie 5, mon dieu. Partie 5, hein, je crois, de cet excellent Project Zero. On va tout de suite se retourner dans l'aventure. Nous en étions, on avait récupéré une pierre noire avec un caractère étrange. Non sans mal, hein. Bon, faut bien qu'on le confesse, non sans mal. Alors donc une pierre noire avec un caractère étrange, une attache en dépasse. On va tout de suite... Alors on sait où se rendre hein, cette fois. On a perdu un temps fou alors que j'ai déjà terminé le jeu. On a passé un temps fou à se rendre compte qu'on avait besoin du briquet pour allumer l'un des bras zéro. En revoyant la VO2, j'ai eu honte. Salut Nyctaras, oh mon dieu Nyctaras est là. Vampire troublant, prends mon corps pour cercueil, bonsoir. De plus en plus poétique, hein. c'est un vrai bonheur. Mais dis donc, je suis complètement décalé, moi, voilà. Bah, c'est bien, comme ça, je suis bien en face de l'écran, c'est parfait. Ah, le micro, hop. Bah, bonsoir, Nyctaras, bonsoir. Alors, Nyctaras, te souviens-tu, nous avons récupéré le petit objet qui va nous permettre d'ouvrir la porte. Hein, non sans mal, grâce à toi, d'ailleurs. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai reçu? Vous avez vu, là, le personnage? Qu'est-ce que c'est? Diablerie encore. Je suis bien là, bien posé. Ma femme range toute la vaisselle et la maison. À son habitude, passer le crépuscule. Point trop n'en faut, point trop n'en faut. Hier, en bouinant, j'ai remarqué quelque chose. Parce qu'ici, j'ai ma manette qui vibre. Hein. Je vous l'avais peut-être déjà dit. Eh bien, j'ai trouvé. Hier, j'ai trouvé. Il y a sur un des arbres. Voilà. Regardez, là, j'ai une petite lumière bleue. Vous voyez? Tu vois en bas à gauche? Une petite lumière bleue. Voilà. Celui-là, on l'a eu. L'homme tordu. C'est son truc, ça. 22h, elle se dit à changer les meubles de place. Maudit rongeur nocturne. Ah bah j'en ai repris une photo, tiens, pour la peine. Bravo. Allez. Bon. On ouvre la porte. Parti. Mais du coup, avec cette... Est-ce qu'on va pouvoir... Ah, il y a encore une énigme. Ça a marché. Dois-je faire correspondre les caractères aux gravures? Peut-être. Alors. C'est une énigme assez, assez simple, comme d'habitude. Vous voyez... vous voyez. On a 1, 2, 3, 4, 5... 5 directions. Et chacune a un petit symbole en blanc. Il faut qu'on mette dans chaque slot de ces petits...
Voilà, c'est l'étoile, exactement, c'est l'étoile de David, mais c'est l'étoile de David japonaise. Donc il va falloir qu'on arrive à mettre en face chaque petit symbole correspondant. Donc par exemple ici, on voit bien que c'est celui-là. Là par exemple, il a la bonne place. Ok? On voit bien que c'est le même symbole, même si c'est ça saute pas aux yeux là à première vue. Le petit Z avec un point, c'est celui-ci par exemple. Donc on va le déplacer là. Le petit M, c'est celui-là. Celui-ci, c'est ça. Et ben voilà. Oh ben voilà. Hein? Bah voilà. Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait. Bon, j'ai conscience. Salut. Oh là 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 là, salut Léa. Ah, bonsoir Léa. Ah, mais c'est parfait, il y a le chat qui va nous aider sur le chat. J'ai conscience, voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai conscience que quand je mets mes petites animations, j'ai conscience que ça casse absolument. Ça casse absolument l'atmosphère. J'ai reçu beaucoup de mails pour protester de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui brille sur le. Sur ça et je peux pas le prendre? Ah, faut être bien en face. Léa, je sais pas si t'as vu, Nick Taras, dès que t'es arrivé là, on avait déjà fait une énigme. Alors qu'hier, on a mis 2 heures. Il y a une cassette audio sur le piédestal. Une cassette bleue. Il y a 4 statues de Bouddha et une sorte de piédestal devant un petit sanctuaire. Hein? Faut qu'on prenne une photo là. She's the last, hein? Ça, c'est nous dans le miroir. Il y a des boudins blancs et des boudins bleus. Vous entendez la musique là qui s'énerve? Moi, j'ai ma petite manette qui vibre au gré de. Oh, c'est peut-être. Non. Attendez, il y a quelque chose à prendre en photo. Ça se trouve, c'est tout con. C'est peut-être ce miroir brisé, non? J'essaye de comprendre. C'est en hauteur. Ah là, mon Dieu! L'homme crucifié, mais c'est le romancier. Pas le temps de fumer. Le chat est pas bien mis. Hein. Tant mieux si ça t'a fait peur. Ah bah là, on se bat directement avec le professeur. Hein. On va peut-être changer de film d'ailleurs. Oh bah voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Oh putain, mais. Et oh, on va peut-être pas mourir là. Oh là là, attendez, je me remets déjà de la vie. Oh là, vous voyez, ça rigole pas du tout, hein. Qu'est-ce que je fais? Je me mets de la plante médicinale. Ok, et on va changer de film. On va mettre Attendez. Hop, on va se mettre. Dans appareil, ça y est, le son est réparé. On va se mettre un film un peu plus puissant, on en a 59. Allez, on pense là. On sort et on. Mais putain, mais oh. Faut déjà que je. Putain. Et oh. Compliqué là, le début de fight. Compliqué. Attendez, j'ai pas le temps de lire vos saloperies. Je le tue et puis je lis vos saloperies. Il est où cet enculé? Il est là. J'enlève que dalle de vie, hein. C'était déjà mieux?
le faire. Ah, j'ai voulu faire un. Et il reste plus rien. C'est bon. Oh là 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 là. Ah non, là, mais là, tu te claques des mandales. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le professeur, évidemment. Surtout que c'est pas le professeur, c'est le romancier. C'est ma faute maintenant que vous l'appelez comme ça. On va appeler le professeur maintenant. Une porte de Shinto apparaît sur la photo. Que peut-il bien y avoir à cette porte? Alors ce boss là, vous voyez là, moi j'avais mon appareil qui était complètement, qui est pratiquement au maximum. Alors imaginez quand vous commencez le jeu. Moi je me souviens, j'ai eu du mal. Hein. La dernière statue de Bouddha, elle est à la Shinto Gate. Qu'est-ce qu'il y a par terre? Il y a un bloc-notes sur l'escalier. Oui, la Shinto Gate. La plupart des pages ont été déchirées. C'est pas grave, on va lire. C'est son bloc-notes. C'est le bloc-notes du professeur, du romancier. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Je m'apprête à me rendre au sanctuaire, au cœur du manoir Imuro, où se trouve un morceau du véritable miroir sacré. Ah, il est question de miroir qui a été cassé en 5 pièces, hein. Vous vous souvenez, hein? La malédiction a déjà laissé ses marques sur mes 4 membres. Je ne peux plus reculer. Je dois à tout prix essayer de sceller la porte des enfers. C'est mon dernier espoir. J'ai déjà trouvé 4 des statues de Bouddha dont j'ai besoin pour obtenir un morceau du miroir. Ouais, on a vu que sur l'hôtel, il y avait il y en avait 4, hein, des statues de Bouddha. Donc il va falloir certainement qu'on trouve la 5e. J'ai trouvé un vieux document révélant l'emplacement de la 5e statue. Voilà. Alors elle est où? Offrez votre respect au Bouddha au pied de la grande porte. Pour que les âmes des vierges pitoyables puissent atteindre le ciel. Alors ça, faut qu'on comprenne ce que ça veut dire, bordel de merde. C'est là où il y a la statue de Bouddha. C'est là notre prochain rendez-vous. Offrez votre respect au Bouddha, au pied de la grande porte, pour que les âmes des vierges pitoyables puissent atteindre le ciel. Si tout se passe bien, personne ne lira jamais ces notes. Bah, ça s'est passé mal, là. Et je pourrais les utiliser pour mon prochain livre. Pour terminer, je voudrais remercier ma mère, mon assistante et mon partenaire, Tomoe Hirasaka. Si elle ne m'avait pas laissé tous ces documents, je n'aurais jamais pu terminer ce travail. Mon dernier travail. Si je ne reviens pas, veuillez vous occuper de mon chat à son enterrement. Signé John Setakamine le 15 septembre. Ah, je préfère mettre la note de mort du romancier dans mon dossier. T'aurais dit Léa. Je retourne vite fait à l'intérieur. Vous savez bien, j'aime bien perdre du temps. Ah voilà. On va faire une petite photo ici. Et par contre, on va changer de filtre. Excusez-moi, je change de filtre pour économiser. Pour économiser, je vais prendre mes films pourris. Voilà ceux-là. Dans les autres Fatal Frame, on peut changer de film avec une touche. Là, on est obligé de retourner dans le menu. Un petit peu agaçant. Mais bon. Oui, il est pas gentil avec toi. De toute façon, j'ai remarqué que plusieurs VOD, j'ai remarqué qu'il est pas très très courtois, pas très très sympa avec toi. Je ne dis rien pour le moment, c'est le modérateur. Comment veux-tu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Une autre statue de Bouddha apparaît dans la rangée des statuettes de Bouddha. Ouais, donc il nous faut la 5e. Oui, d'accord, mais on le savait déjà, ça. On le savait déjà. La photo, c'était un pilier, hein. Bon, ça, on peut toujours pas le ramasser, hein, parce qu'on l'a déjà, je crois. Ouais, on a déjà tout ça. C'est ça, la grande porte. Ah, on a bien vu que sur la photo, c'était ça. Ah bah voilà, il suffit de cliquer. Là je me fais pas avoir, hein. C'est comme le bras zéro, hein. C'est terminé. Terminé les conneries. Sois pas si dur avec toi. L'autre jour, il y a un an, t'avais dit quelque chose, c'était pas si bête. Je plaisante. Il y a une porte cachée au pied de la porte de Shinto. Il y a quelque chose de l'autre côté.
Et attendez. Je suis méchant. C'est de l'humour. Ah, pas pu rire. Il y a une porte cachée au pied de la porte de Shinto. Il y a quelque chose de l'autre côté. Ah bah voilà, bah, bah décidément, on a un peu... Alors autant on s'est fait chier la dernière fois. Là on aurait pu tourner en rond. Hein. J'ai déjà trouvé le Bouddha sans tête. Quelque chose est écrit sur le papier qui enveloppait la statue de Bouddha. Document sur les cinq Bouddhas. Et enterrer l'esprit de la Vierge des Cordes. Placer les cinq Bouddhas avec ses membres. Bah d'accord. Et où ça? J'ai mis le vieux document dans mon dossier. Bon, nous on s'empresse tout de suite, on fait pas de sauvegarde. On est comment niveau vie là? On n'est pas terrible. Oh ça va, ça va, ça va. On a combien là? On peut pas sauvegarder? On a 36 000. On peut mettre l'appareil au maximum. Performance de base. La portée, non. Valeur max, 36 000. On a 36 419. Vous êtes prêts? On se met au maximum. Et voilà, on est au maximum. Ah, vous êtes gâtés. Vous êtes gâtés. Ah, je pourrais avoir l'option hein, de remettre la petite vidéo des dernières secondes. Je pourrais faire ça, mais... Faut regarder en direct. Comme ça que ça se passe. Oui, voilà. Maintenant, il va falloir attendre la VOD. Une rangée de 4 Bouddhas, il y a de la place pour un autre au milieu. Ah bah évidemment qu'on veut placer la tête. Non, qu'est-ce qui est marqué? Placer le Bouddha dont la tête est abîmée ici. Oui. Il a la tête abîmée, hein, ça c'est... Ça me fait un peu de la peine. J'ai mis la statue du Bouddha à la tête abîmée entre les 4 autres statues de Bouddha. Est-ce qu'il y a une petite énigme à faire? Je me souviens plus, hein. Le piédestal s'est ouvert révélant une grille de 3 trous sur 3. Allez, faire une petite photo. Bon, c'est facile. Bon, vous voyez la disposition là? Hein? Tac, tac, tac. Il y en a pas, il y a rien, il y a rien au milieu, il y a rien devant. Une rangée de statues de Bouddha apparaît au-dessus de la rangée des trous de piédestal. Bon bah ça, c'est une affaire qui roule ça. Ça c'est une affaire qui roule. Celui-ci, oui, je te mets là. Non. Toi je te mets là. En fait j'ai pas les documents alors c'est... Lui, normalement, il est là, normalement. Mais je peux plus faire. Ah oui, reprendre Bouddha. Comment je fais pour reprendre Bouddha? Allez, on recommence. Normalement, eux qui ont des pieds, c'est ici. Bon, tu sais, on le voit, il y a du sang. Mais normalement, on a des petites notes hein, pour tout se merdier. Hein. J'espère que c'est ça. Ici. Et voilà. T'es comme tortue, évidemment. Comme tortue ninja. J'ai entendu un petit bruit, je crois qu'elle s'est ouverte. Oui, parce que là, dans le New Game Plus, il ne me redonne aucun de mes documents. C'est à moi de me rappeler que le rituel des strangulations, c'était les quatre membres. It's just a piece of it. Voilà un morceau. Si. Effectivement, c'est moi. Encore la bagarre. Peut-être dû sauvegarder. M'enfuir. Je crois que ça fait partie du scénario. N'ayez pas peur. Ah.
bah oui, hein. On se réveille dans la chambre des poupées à nouveau. On va faire une petite sauvegarde. Le jeu nous le propose donc, hein. On va pas bouder notre plaisir de faire une petite save. C'est bon. Non, je veux pas quitter. Je veux retourner au jeu. Vous vous souvenez que l'on a une cassette à écouter, hein, une petite cassette bleue. Ah, chapitre deuxième nuit. La marque du démon. Alors le petit garçon. That mirror. Give it back. Bon, on a une pièce du miroir et là le petit garçon il vient de montrer qu'il en avait une. Mais nous ce qui nous intéresse là tout de suite, présentement, oui des fois j'utilise ce mot, présentement ça va être de d'écouter la petite cassette, la bleue. Alors ah il y en a eu deux bleus qu'on a écouté les deux. Pour en savoir plus sur l'histoire, qui nous parle? September 12th, 3:20 p.m. I know this sounds crazy, but there's something here besides us in this mansion. I've seen it myself. It was a woman in a white kimono. Something is definitely happening here. Have we unknowingly awakened something? Or perhaps we've been lured here to die? Ok, bon, au moins ça nous replace dans l'histoire. Allez, on écoute celle qu'on n'a pas écoutée. Is she the one causing this disaster? All of those earlier deaths, Koji, Tomoe, all of them. C'est le professeur qui parle, hein, enfin, le romancier. The rope shrine maiden ritual. As told of in legend. Both arms, legs and the neck. It is said when all five have been ah bah c'est marked, ça qu'on aurait dû écouter pour faire l'énigme. The curse is complete. Ropes are beginning to appear on my photo. I'm running out of time. Ok. Bon, on retourne dans le jeu. Là, il y a quelque chose à prendre en photo déjà, puis il y aura quelque chose à ramasser. Qu'est-ce qu'il nous montre? Qu'est-ce que c'est? Un manuscrit apparaît sur la photo. On dirait qu'il s'agit d'une image de chat démon. Bon. J'ai mis la photo dans mon dossier. Bah putain, pour retrouver ça. Il y a une boîte de films sur l'étagère. Bon, très bien. Bon, le petit gamin, tout à l'heure, on a vu un petit gamin détalé et il est passé par là. Hein. Le mur ne bouge pas, mais l'enfant est passé au travers. On peut y accrocher un manuscrit. Ah, d'accord. Donc, il va falloir qu'on trouve le manuscrit du chat démon et qu'on l'accroche ici. Je regarde ma petite carte. Ok. Mais nous on a pas du tout hein, ce putain, à chaque fois je me plante parce que je joue à d'autres jeux et évidemment c'est pas du tout les mêmes touches hein. Je vais dans mes fichiers, je regarde ce que j'ai parce que souvent c'est ce qu'on a. Bon, on a l'appareil, c'est ce qu'on a dans notre inventaire qui détermine la suite. Je vais retourner dans les photos
Non, ça c'est les photos. Moi je veux les photos du. Voilà. C'est ce qui est chiant, c'est que j'ai dit. Comme d'habitude, j'ai toutes les photos. Non, ça c'est bon, ça on l'a fait. Voilà, manuscrit du chat démon, c'est ça qu'il nous faut. Mur de la pièce avec rangée de poupées. Manuscrit avec une image de chat démon. Il nous faut ça. Putain, mais où c'est qu'on va trouver ça? Le bloc-notes du prof, c'est pas censé être un manuscrit? Oui, mais on l'a pas. C'est pas un objet, en fait. C'est juste des notes. Là, faut vraiment qu'on trouve... Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la définition de la photo, c'est marqué mur de la pièce avec rangée de poupées. Ouais, ah oui, bon, c'est là où il va falloir accrocher le manuscrit. Manuscrit avec une image de chat démon. Eh bah putain. Bon, peut-être qu'en sortant, il va y avoir un fantôme, il va falloir le suivre, parce que là... Il y a de vieux médicaments dans la jolie boîte. Ah bah tiens. Vous voyez, c'est un jeu, vraiment, faut tout checker. Là, on s'est réveillé ici. Le chat démon, je vois pas. Par contre, 3-4 japonais qui jouent au baseball, vu de loin, ouais. Non, mais en fait, on les voit danser. C'est comme des femmes en kimono qui dansent. Là, il y a encore quelque chose à prendre. Non, mais on va ressortir, mais je pense que le jeu va nous orienter. Vous avez remarqué que ma map est devenue vierge. Hein. Il y a quelque chose qui brille sur l'étagère. Pierre spirituelle, voilà. Bon, les pierres spirituelles, j'ai dit des conneries la dernière fois. C'est pas comme dans Fatal Frame 2, ça nous permet d'acheter des slots. Les pierres spirituelles permettent d'utiliser notre pouvoir spécial. Là, par exemple, je peux l'utiliser qu'une fois. Ah, voilà, j'ai pas le temps de... Eh, putain, lui, pour le prendre en photo, merci bien. Hein. Vous avez vu comment il a couru vite? Bon, très bien, donc ça nous indique qu'il faut aller par là. Ah, c'est passionnant, hein. Ouh là là là, attendez. Eh, hey, viens pas dans mon dos. Oh putain! Pardon, excusez-moi, je crie un petit peu. Allez, allez. Allez, encore un coup. C'est bon. On a l'appareil au maximum, ça aide. Voilà, c'est ça. Ma main pour devenir vierge et pitoyable. Bon, on l'a tué. On va continuer à suivre les traces du fantôme qui courait par ici. Donc il y a toute une machination d'une malédiction avec des cordes. Hein. Vous avez vu le rituel où on est sur une espèce de truc en pierre et on est attaché par les pieds et puis par les mains. Alors pourquoi ils font ça? C'est quoi le projet, quoi? On sait pas pour l'instant. Là il y a quelque chose au sol. Bah, je peux pas la prendre, j'ai toujours la mienne. Le Fatal Frame, c'est quoi, rappelle-moi? Un coup spécial? Bah, c'est quand on prend la photo à pile à l'instant où le cercle est rouge. Fatal Frame, l'image fatale. Donc là, moi je suis... Ouais, voilà, il est là, enculé! Pardon. C'est un enfant. Ah, ça va. Pas fait exprès. Ah, mais maintenant, on peut peut-être aller là. Non, c'est toujours verrouillé. Bon, on continue. J'ai voulu le prendre en photo, mais il a détalé. Et attends, lui, pour le prendre en photo... Sympa. Oula, 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 oula. Non, 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 me tue pas. Attendez. Faut absolument que je me remette de la vie, là. Fichier. Ah, ça va vite, hein.
Il est où? De dégâts. Je veux pas utiliser mon pouvoir sur lui. Allez, c'est bon. Bon, forcément, j'ai pas besoin de jouer super bien, comme je vous l'ai dit. J'ai maximisé mon appareil en New Game Plus. On les tue relativement plus vite. Mais alors, imaginez quand on est juste à la moitié de puissance, les combats. C'est pas simple. Ça me rappelle cette anecdote du meilleur ami de ma femme qui traitait d'enculer les gosses à Disneyland. Ah, toujours. Et là, les souvenirs, hein, ça c'est toujours agréable. Ah. Là, j'ai une vibration de fou, là. Comme tout à l'heure avec l'arbre. Ah oui. Non, elle a disparu. Ah là, non, j'ai une vibration. Ah non, mais c'est peut-être parce que j'arrive là. Voilà. Alors, comment on va rompre ce charme pour suivre le gamin? Ah, lui aussi, oui, il était bien flippant. Alors, ils me disent d'aller à un autre endroit, apparaît sur la photo. Putain, encore un escalier. Mais je crois savoir où ça se trouve, là, celui-ci. C'est juste l'escalier qu'on vient de passer. Bon. Je ramasse ce qu'il y a là et on va aller voir l'escalier. Très bien, il me refile des films 37, les verts. Ils sont très bien. Je vous les redonne dans l'ordre de puissance. C'est bleu, vert, rouge, jaune. Évidemment, les jaunes, ils sont bien cachés. Là, il y a un escalier. Ah bah, ça serait là, tout simplement. Non. Oui, on voit la tête. Regardez-moi ça, là, ici. Vengeance murale. Oh bon. Mais vous voyez là, par exemple, ça paraît simple. Mais si vous vous souvenez pas, là, dans la pénombre, qu'il y a un putain d'escalier ici, hein? Si vous vous souvenez pas, mais putain, mais vous passez des heures, vous retournez en arrière, un peu comme ce qu'on a fait hier. C'est un jeu où vraiment, faut être attentif, hein. Faut être attentif à ce qu'on regarde, hein. Enfin, à l'environnement. Plus de talisman, la force qui retenait la porte a disparu. Progresse bien là. Oh, je l'ai eu là. Pardon d'avoir crié. Enfant s'échappant. Là, je l'ai eu là. Mais c'est quoi? Alors là, ça ressemble curieusement à l'autre pièce, hein. On a déjà eu une pièce comme ça. Il y a quelque chose à mes pieds. Bah, décidément, c'est Noël. Mais j'aime pas qu'il me donne des films comme ça. Ça veut dire qu'il va y avoir. Il y a des fantômes. Difficile. Ouais, plante médicinale pour soigner. Je regarde un petit coup ma carte. Ouais, voilà. On est là. Bah non, en fait, on a... Ah non, en fait, il y a eu un charme sur une porte qu'on pouvait déjà ouvrir avant, puisque là, on va retourner sur le jardin. Attendez. Je sais plus... Bon, en tout cas, non, je me trompe pas de direction. On continue comme ça. Là, je regarde ma carte. Oui, c'est ça. En fait, il y a eu un charme, la porte était bloquée sur... C'est pas une pièce qui ressemble, en fait, c'est la même. Mais elle a été bloquée, là. Ah, c'est... Il bloque un petit peu l'histoire pour qu'il se passe des choses, quoi. Il y a des boutons avec des caractères. Ce dispositif doit ouvrir la porte. Quelque chose est gravé au-dessous, mais je ne peux en lire qu'une partie. Je devine à peine. Je distingue à peine les mots. Bon, là, maintenant, on connaît ça, hein. Le rituel de Shinto, aveugle, est détenu le jour 2. On l'a déjà fait, ça. C'était 13-12. Non. Ou alors 12-13. Ça. L'autre c'était combien? Je me souviens plus. Je retourne dans mes documents vite fait.
pas dans fichier, dans dossier. C'est phrase. Hein. Aveugle, voilà. Rituel du démon aveugle. Bon. Au 26e jour du 11e mois. Bon, ça va être 26-11. Hein, c'est ça, on n'est pas trop con. Il parle du document aveugle. Aveugle. Allez, 26-11. Elle doit avoir plus de 7 ans, 9 mois et 25 jours. Bon, j'essaye 26-11. Parce qu'on peut le faire. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26. C'est ça. Non, 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 Nick Taras, je t'écoute plus. Je t'écoute pour les souvenirs, pour les petites... pour les poèmes. Je t'écoute pour les poèmes. Pour les énigmes, c'est fini. Non, c'est pas vrai, parce qu'hier, tu nous as bien aidé avec le briquet. Non, non, c'était... c'était juste les jours. C'est, en fait, la traduction est pas terrible. On penserait qu'il faudrait y réfléchir, puis en fait, non, les trois énoncés, là, le jour de... C'est juste pour nous faire comprendre que c'est ce document-là. C'est pas très très bien traduit. Oui, voilà. On peut pas être bon partout, mais on n'est pas obligé d'être mauvais nulle part. Hein? Enfin, t'as compris. Bon, je fais une petite save. Parce que j'ai pas envie de... Si on meurt là, j'ai pas envie de me refaire tout, quoi. Tout simplement. Hop, petite save. Une petite save toute douce. Ouais, c'est vrai que celle-là, c'est une save assez douce. Oui, bah je vais retourner au jeu. S'il vous plaît. Merci. Donc on continue, on va essayer de retrouver ce gamin, en fait, là. Vous vous rappelez, il faut qu'on trouve un manuscrit, hein. On n'est pas obligé d'être bon partout, mais on n'est pas obligé d'être... d'être nul. d'être nul part. C'est ça. T'aurais pu faire un jeu de mots avec nul part. Hein, tu vois ? Annuel. La prochaine fois. Donc là, on est à la recherche du manuscrit. Puis après, on sait qu'il faut qu'on retourne dans la maison des petites poupées pour le mettre. Bon, t'es où, gamin ? On t'a vu courir par ici. C'est pas celui qui sait pas, on sait. Il y a encore un truc qui brille, là. Bon, l'autre, on sait qu'on peut pas le ramasser, mais ça. Ah bah, très bien. On en a des films, là, descend. Ah, ça vibre. Bah oui, parce qu'il me demande de mettre le truc de Bouddha. Il est où, gamin? Ça vibre. Vous entendez? Bon, j'espère que ça vous donne pas la gerbe. Hein. Pas le but, hein. Ah, 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 ah. Il y avait quelque chose, là. Il est tourmenté. Ouais, mais ça nous aide pas. On a eu un fantôme, mais c'est tout. Faut pas que j'oublie que j'ai un bouton pour me retourner directement. Il est où, le gamin, là? Il était à gauche dans le miroir quand tu venais d'entrer. Ah, tu l'as vu dans le miroir? Le gamin? Ah, j'ai pas vu, moi. Il y a un grand miroir au sanctuaire. Je me demande s'il y a une signification particulière. Léa, t'as vu le gamin dans le miroir? Elle n'y est plus, hein. On t'a fait peur? Des os? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a forcément... Il me dit qu'il était dans le miroir? Mais non, on raconte des conneries. Il y a un grand miroir au sanctuaire.
Ah, voilà, maintenant c'est plus le gamin, c'est j'ai vu une forme blanche, ouais, voilà. Je te prendrai pas comme témoin au tribunal. Hein. Alors c'est lui qui l'a tué? Oui, c'est lui, je l'ai vu. Et il était comment? J'ai vu une forme blanche. Bravo. Allez, acquitté. Acquitté. Elle a rien vu. Oula, 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 oula. C'est pas moi, c'est Billy. Oui, je l'ai bien eu là. Bon, c'est pas Fatal Frame, mais c'est beau, c'est joli. C'est du beau. Et voilà. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est vrai. Dans la vraie vie, c'est un peu plus propre. Mais bon, alors, mais du coup, le gamin, il est où? Là qu'il fallait qu'on aille. Peut-être que j'ai mal inspecté le jardin. Du coup, mon échantillonnage est crédible. Le gamin, il doit être par là. On est bien d'accord que le gamin, il a couru par là. Hein. Hey, gamin! En plus, c'est exactement ça avec la lumière là, comme dans le film. Oh, c'est arrivé. Il est tombé dans le puits. Et oui. Ah, j'adore. Hé, hey, gamin, t'es tombé dans le puits? Reviens vite, tu vas avoir des tout petites couilles après. Il fait drôlement froid. Ça va, on peut rigoler. Oh là 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 là, mais j'ai pas le temps de fumer, il m'attaque, sale gamin. Allez, je vais te prendre en photo pour la peine. Il est où? Il est où? Il est où? Ça va, il est pas trop dur. Je te le speedrun, moi, lui. Allez, encore une photo, c'est bon. Vous avez vu sa tronche? Il est tout déformé. Quelque chose apparaît sur la photo. On a retrouvé une petite tablette. Je sais où il faut aller. Bah, pauvre gamin, quand même. Hein. Moi, j'ai fait des photos, mais. Tiens, j'ai ma capture qui déconne un petit peu. Bon, ça va. Ça va durer longtemps. Ah, bah oui, Ori. Ouais, on va se dépêcher, t'as pas besoin de nous dire. Ah! Il y a quelque chose d'autre ici. Hein. Ah, il est tombé. Quelque chose apparaît sur la photo. Vous avez vu, c'est le gamin? Il a fait le. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Voilà. Voilà le fin mot de l'histoire. J'ai mis la photo dans mon dossier. C'est une sacrée perverse. Hein. Ah, c'est la photo d'un gamin qui tombe dans un puits. Mets ça dans mon dossier. Je regarderai ça ce soir avant de me coucher. Comme sur la photo, il y a une pierre bleue sur le puits. Ah, voilà. Gravure bleue. Une pierre gravée d'un étrange caractère. L'envers présente une attache. En société dites, voulez-vous voir des photos de ma fille? Et pas voulez-vous voir des photos de votre fille? J'ai pas compris. En société dites, voulez-vous voir des photos de ma fille? Et pas voulez-vous voir des photos de votre fille? Oui, d'accord, mais je comprends pas pourquoi tu dis ça. Où veux-tu en venir? Quel est ton terrible secret? Bon, on fait pas une save tout de suite. Allez hop, on y va direct. On y va direct. Scarce. Je vois bien la différence, mais je comprends pas pourquoi tu. Je vois pas pourquoi tu trouves utile de nous le faire partager. Je comprendrai en VOD. Bon, bah alors toutes mes excuses. C'est moi, hein, je suis pas. Je sais bien. Hein, j'en ai conscience. Hein. Donc là, vous vous souvenez dans le truc des cerisiers, là, qui s'appelle pas un jardin, là, je sais plus comment ça s'appelle. Alors, je vais vous le montrer là, vite fait. Vous vous souvenez, ça m'avait fait marrer. L'atrium des cerises. Là, il y a une porte qu'on n'a pas pu ouvrir parce qu'il y avait besoin d'une petite attache.
Tu sais que je suis en train de relire ton truc pour essayer de comprendre, mais. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. J'ai l'esprit qui bloque. Oula, oula. Allez, hop. C'est la même, c'est la nurse. Ah, il était pas mal celui-là. C'est une belle photo. Oh, il était beau celui-là. Par contre, j'ai plus que 4 pellicules bleues. Hein. Avec tous les... J'ai pas compris qu'on pliait de romains, je pourrais remplir tout. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai. Hein. Mais c'est très difficile de jouer, de lire en même temps, de regarder si tout va bien, d'essayer de se souvenir. De faire un peu l'animateur. En quelque sorte. Et puis en plus, et de comprendre, puis moi je me souviens, je vous l'ai déjà dit, hein. J'ai une suspension consentie d'incrédulité qui est très très légère. Et j'ai l'esprit très, j'allais dire vif. Non, mais qui part vite sur autre chose. Et du coup, je me souviens plus de qu'est-ce que je racontais. Donc après, je fais plus le lien quand vous m'écrivez un truc. Surtout quand c'est pour bondir sur de l'humour. Après, je me souviens plus en fait. Des fois, ça m'arrive de me souvenir. Il y a une boîte de films sur le plancher. Allez hop. Donc c'est ici qu'il va falloir mettre la... Je suis un garçon stressé, voilà. Voilà, vous êtes content? Vous êtes content que je confesse? La porte est hermétiquement fermée. Comment c'est ça? Elle a vérifié, elle a mis ses petits doigts pour regarder s'il n'y a pas du vent. Les armoiries de la famille Moreau, elles ouvrent sûrement la porte. Mais c'est cassé. Bah alors, qu'est-ce qu'on a ramassé? Attendez. Sinon je sais où il y a une autre porte, hein, mais qu'est-ce qu'on a ramassé? Ça nous sert à quoi? De Dieu. Hermétiquement fermé, oui, j'ai du mal à le dire. Parce qu'en plus d'être un garçon nerveux, je suis un garçon dyslexique. Ah je sais, c'est du propre. Bon, pierre spirituelle, d'accord. Ok, ça d'accord. La cassette bleue, d'accord, les cassettes, ok. Ah, on a une gravure bleue. Une pierre bleue avec un caractère étrange présente une attache. Ah oui, mais... On peut pas. Il veut pas qu'on l'utilise ici. Bon, j'ai une autre porte qui comme celle-ci d'ailleurs. Et je sais où elle est juste à droite. Bon, on va y aller. Hein. Je me souviens. Ça doit être celle-là. Essayez d'interagir avec le Pearl avant de choisir l'item. Ah mais j'ai interagi avec le Pearl. Il me dit que c'est fermé. Normalement c'est automatique. Non, j'ai pas essayé de passer par l'item, hein, comme dans Silent Hill. Je me fais plus avoir. Non, il voulait pas. Véritablement. Oula, il y a encore du fantôme. Alors quand il y a du fantôme, on peut pas sauvegarder. Hein. Alors lui, on va le tuer en un coup. Hein. Ah non. Putain, il me reste plus que 2 photos. Ah ouais, c'est bon. Lui, c'est de la rigolade. Lui, c'est de la rigolade maintenant. C'est l'ennemi de base, lui. C'est le clampin. Hein. Clampin, lui. Il est... Enfin... Pas de problème. Ici, il y a une porte. On peut mettre quelque chose. Je me souviens très 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 bien. Regardez. Ah là. Ici, là. Et voilà. Alors là, on a le droit à 5 coups. Alors, comme tout à l'heure, il faut qu'on remette les trucs au bon emplacement. Alors, le seul petit problème, bon, maintenant je l'ai plus... C'est que les dessins ne se ressemblent pas exactement. Hein. Regardez, par exemple, là, si. Je dis de la merde, allez. Bon, par contre, il y a des chemins qu'on ne peut pas emprunter, vous voyez, hein. On peut prendre que ces deux-là. On peut aller que sur les lignes blanches. Hein. Donc, il va falloir être habile. Le M, là, qui est entouré en bleu, je dois le mettre en bas.
Donc vraisemblablement celui-ci faut le faire monter. Ah oui, mais sauf qu'on peut pas, on peut pas le faire, y a pas de ligne. Donc on est dans le caca. Mon idée ça serait de faire ça. Bon là je vais louper, mais ouais voilà. Je me souviens que celui-ci il était un petit peu plus corsé que les autres, mais j'avais fini par le réussir parce que j'ai quand même une intelligence supérieure à la moyenne. Donc alors l'idée c'est de partir de leur piège. Leur piège, ils ne veulent pas qu'on arrive à mettre le M. Donc il faut qu'on regarde le chemin le plus court. Il faut qu'il aille. Déjà par où il peut y aller? Il peut y aller par. Je vais remonter le ça. Après lui, c'est ça. Il arrive ici, il est à sa place. Le Z, il retourne à sa place. On est dans la merde. Ah non, c'est bon. Et celui-ci va là. Et voilà. Et voilà. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Me remerciez pas, c'est mon travail. On fait une petite sauvegarde. Pour pas avoir à tout refaire. Non mais celui-ci ça va encore. Il y en a un troisième. Je sais qu'il y en a un troisième après. Il est un peu, il est plus prise de tête. Parce qu'il y a, il peut se faire en 7 coups je crois. Et il n'y a qu'une possibilité. Et bon, c'est un peu du die and retry. Enfin pas du die and retry mais vous m'avez compris. Faut trouver le bon quoi. Là celui-ci, bon il était quand même assez plus simple. Bon je fais une petite save. Hein. La petite save du pauvre. La petite save de celui qui a peur de mourir. Et nous parlons de la moyenne haute, oui, voilà. Bon, il me confirme bien que la save a été prise en compte. Hein. Alors, pour ceux qui en doutaient, c'est bon. Relaxez-vous. C'est sauvegardé. Hein. On n'aura pas à tout refaire. Parce que je me souviens de ce petit corridor. Et croyez-moi, c'est mieux de faire une petite save. Et j'ai plus de film. Pardon. Parce que, chose que je ne vous ai pas dit. Il ne me reste plus qu'un film bleu. J'ai pas envie d'utiliser les verts. Je vais les garder pour les boss. Même si j'en ai 56. Chose que je vous ai pas dit, c'est que l'endroit où on peut faire des saves, on peut se rajouter les films qui nous manquent. Voilà. J'ai fait le plein de films bleus. Ouais, j'en avais plus. Puis bon, ça donne un peu de challenge quand on joue avec les films bleus. Parce qu'avec les films verts, bon, on va les tuer en un coup, là. Donc là, on regarde sur le plan, on se trouve dans le couloir. Et où va-t-on? Dans la gueule du démon. Dans la gueule du démon. Excusez-moi du peu. Oula, oula. Ah, je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Ah, puis c'est trop tard. Là, je suis trop con. Je l'ai loupé. Là. Ah, merde. Il m'en manque plein, hein, je vous montrerai. Allez. Quelque chose apparaît sur la photo. Je sais où ça se trouve. C'est là où il y a les abysses. J'ai mis la photo dans mon dossier. Bon. Ok, bon bah voilà. Là on peut pas faire l'énigme parce qu'il nous manque encore un truc. On retourne à backtracking, hein, je vous avais dit. Hein. Bon, sauf que là, on sait où aller. On retourne aux abysses. Je crois que... De souvenir, je crois que le petit pont qui était cassé... Je vous le donne en mille. Le petit pont qui était cassé ne va plus l'être. Ah, je sais que vous vous en doutez, mais vous allez voir. Il ne va plus l'être. Ça veut dire qu'avant, il était cassé... Et puis là, il va plus l'être. Tout simplement. Bon, ça va, c'est pas loin. C'est juste là. On perd pas beaucoup de temps. Alors, tous ces petits allers-retours, évidemment, vous vous doutez bien que, bon, là, je sais où aller. Mais quand on fait autant d'allers-retours, c'est-à-dire des centaines d'allers-retours, après, le manoir, on le connaît par cœur. Donc là, c'est par là. On retourne près du petit moulin. Ouh, je l'ai eu. C'est qui ça?
C'était ma mère. D'accord, madame. Elle a simplement joué une partie de chat démon. Moi, mon gamin, je l'autoriserai certainement à jouer une partie de chat. Mais chat démon, peut-être pas. Ou alors, je lui demanderai de m'expliquer un petit peu les règles. Histoire d'être sûr. Vous voyez le pont? Je vous l'avais bien dit. Il était réparé. Alors ça, on sait pas par qui. Allez, de l'eau sacrée. Ça, c'est le top du top. Ça nous remet beaucoup de vie. Bah, toute notre vie, je crois. Et voilà le petit monticule. Une pierre émettant une lumière violette est coincée sur le tas de pierres. Et ben voilà, gravure violette. Une pierre gravée d'un étrange caractère. L'envers présente une attache. Allez, on se casse. On a ce qu'il nous faut. Ah, des petits problèmes de connexion. Ça veut dire que ça va être la VOD. Hein. Il va falloir se retaper tout. Pour le plaisir. Hein? Pour le plaisir. Allez. Je pensais qu'il y aurait... Vous voyez, là, je marchais lentement. Je pensais qu'il y aurait un petit fantôme qui allait nous faire des misères. Ah, on l'a eu, là, le folkloriste. Là, je l'ai eu, là. J'aime bien l'ambiance bois du moulin qui travaille, oui. En voyant la VOD, j'ai relu tes commentaires et je partage assez ton point. Oula putain. Oula, vous avez vu ça? J'ai pas eu le temps là. Elle est sortie de par là. M'a foutu les jetons. C'est la gamine qui a disparu, hein. En jouant à chat démon. Donc on se trompe pas, on retourne à droite. Et tout ceci, on fait tout ça pour avoir le manuscrit qu'il va falloir accrocher à la porte. Ah bah bravo. Oui, donc je disais, j'ai lu tes commentaires. Et je partage tout à fait tes goûts. J'adore l'ambiance du moulin aussi. Enfin, de toute façon, j'adore tout le côté folklorique japonais. Hein. Faut les jetons, ouais, les portes en bois. Petite porte en bois, le Shinto, là, leur... Tout ça, ça nous dépasse, ça nous fait peur. Et en plus, vous savez comment j'ai découvert Fatal Frame? Parce que chaque fois, je vous raconte des histoires de mes amis. C'est un ami qui est parti vivre au Japon et qui lui-même est devenu shintoïste. Et lui-même est fan de Fatal Frame. Il arrêtait pas de m'en parler. Et du coup, je me suis acheté le premier, puis c'est comme ça que j'ai connu Fatal Frame. Et lui, maintenant, ça fait des années qu'il vit au Japon. Et il est prof de français. Et il est toujours fan de Fatal Frame. Là, je lui ai envoyé la photo du collector, il était jaloux. Hein. Ouh, il était jaloux. Oh, c'est peu de dire qu'il était jaloux. Il m'aurait tué, s'il pouvait. Bon, on recommence. Je propose que le petit M, on va le mettre en haut. Puisqu'il doit se retrouver en bas. Là. Il nous faut celui... Merde, non. Bon allez. J'ai fait une connerie. On recommence. Ça compte pas, hein, on est d'accord. Le fameux Die and Retry. Oui, c'est celui-ci, je crois. Donc, le petit M, on va le mettre là. Le petit Z avec un point, on va le mettre ici. Et voilà, c'est là où ça se corse, c'est que je ne peux pas faire monter l'autre. Donc c'était pas ça. Ouais. Ouais, là c'est terminé là. C'est terminé parce que je peux pas le faire monter l'autre. Ouais. C'est pas celui-ci, c'était pas ça. C'était pas ça. Ah, ça fait chier. J'essaie de comprendre en regardant. Voilà, là j'en ai qu'un. C'est de la baise. Vous voyez, je peux les déplacer que sur les lignes blanches. Donc là, fatalement, Fatal Frame. Là, sinon, là, on aurait pu être bon. Non, c'est pas bon. J'essaie de... Non, je peux pas rattraper le coup, là. C'est celui-ci, hein. C'est celui-ci qui est chiant. Un petit peu.
Celui-ci est un petit peu chiant. Bon. Et en fait, il faut partir du principe qu'il faut mettre le plus dur. Et les plus durs, évidemment, c'est ceux qui n'ont pas de connexion. On voit bien que là, le Z, là, qui est en bas, qui est à droite, bon, il a trois chemins blancs. Bon, c'est pas celui-là qui va nous poser problème. Ceux qui vont nous poser problème, c'est celui-là, le M. Donc, faut le préparer à l'avance, quoi. Regardez, pour placer le M, il ne pourra arriver que sur la droite. Donc, je dois faire un tour. Il doit faire un tour complet. Enfin, je comprends ma logique, hein. Donc il faut déplacer le... Vous voyez, le M ne pourra arriver que par là. Voilà. Ah putain. C'est pas mal mais ça va pas. Parce que je ne peux pas déplacer. Si j'avais pu déplacer là, c'était bon. On peut pas le faire là. Attendez, on va y arriver. Ça va pas. Ouais, non, je peux rien faire. Si je le remonte, je suis dans le caca. Pareil. Ça va pas. Mais c'était déjà mieux. C'était déjà un petit peu mieux. Donc c'est pas ça. Putain, j'ai chaud. J'ai un peu chaud, pas vous mentir. Donc faut commencer peut-être pas par le... Non mais le M, voilà, on va le placer directement en hauteur. Peut-être pas. Peut-être que je peux commencer par ce... Non, non, je suis obligé de déplacer le M, parce qu'après je suis dans la merde. Mais peut-être pas. J'essaye un truc. À chaque fois je fais ça, puis c'est pas la solution. Donc là maintenant celui-ci est dégagé. Non, c'est pas du tout ça là. Je suis en train de faire n'importe quoi. N'importe quoi là. Fait que de la merde là. Non, ça va pas du tout. On recommence. Non, non, le M, il doit être absolument en hauteur. Comme ça, je peux le redescendre et il est bon. Ouais, voilà, t'as raison. Comme ça, il est directement, il peut redescendre. Après, celui-ci, est-ce qu'on le met tout de suite à la bonne place? Je ne pense pas. Si je le mets tout de suite à la bonne place, après le Z, il faut penser au Z, hein. Si quand même, le Z aura juste à besoin d'être remonté. Il est où la merdouille? Ah mais la merdouille c'est celui qu'on met à la fin nous. Ah mais oui mais celui-là je peux pas le remonter. En fait le plus dur c'est d'arriver à foutre celui en haut à droite. Celui qui est en haut à droite c'est la chiasse pour le mettre. Pardon hein, d'être un petit peu vulgaire mais on se connaît maintenant hein. Celui en bas, tu le déplaces à droite. Oui, mais je peux pas le monter, tu comprends? Ah oui. Alors on est comme ça. Oui, mais non. Je ne peux interagir que sur les lignes blanches. Vous comprenez? Enfin, c'est bien, mais c'est pas ça. Après le Z, il se met là. Ah putain c'est bon. Oh merci. Non, bien vu. On s'est complété, c'est très bien. Gravure violette insérée. Bien vu. Est-ce que c'est sa vengeance quelque part? Bien joué. It's not for you. Il faut que je fume un peu. C'est mon frère. On avait complètement oublié qu'on était parti chercher mon frère à la base. Hein. Parce que là, on était en train de faire plein de trucs. Mais pourquoi on fait tout ça? Bah, c'est pour trouver mon frère. Évidemment.
Allez hop. Et pourquoi il veut pas prendre l'escalier? Bon, hé oh, t'arrives à tuer les fantômes avec ton appareil photo, tu veux pas prendre l'escalier? Enfin, l'échelle. Le petit smiley de la victoire. C'est quasiment, tu mériterais pour le plaisir. Hein. Là, je le mets pas parce que je suis sympa, mais ça mériterait pour le plaisir. Hein. Là, il y a une autre échelle aussitôt là. Allez. Alors là, on est dans la gueule du démon. Ma fouillou! Là, puis la petite musique est vraiment bien. Tout à l'heure, Nictaras t'a dit que c'était terrible le design des fantômes pour du 2001. Je suis d'accord. Et puis, puis même, là, tout, quoi. Tout est génial. Une porte imposante est sur mon chemin. Elle n'a pas l'air de s'ouvrir. Elle est peut-être verrouillée. Ah, je l'ai eu, là. Bon, maintenant, ils nous disent que le miroir doit être là. Ben, ça nous fait beaucoup de choses à faire, hein. Derrière cette... Herbétiquement puni. Derrière cette porte se déroule le rituel. Je lis nouveau saloperie un peu. Bah, c'est tout autant appréciable que tu pars du fait que Salantif est la référence de l'horreur jap. Oui, mais de l'horreur psychologique. Là, on est plus dans, je dirais, dans l'horreur épouvante, hein, en fait. Hein. On est, c'est peu psychologique, là. C'est vraiment de film d'horreur, enfin de l'horreur quoi. L'épouvante. Puis tu découvres ça 20 ans après, ouais voilà. Enfin moi je découvre, je connais depuis un petit moment maintenant. Hein. C'est vous qui connaissez pas. C'est vous. Ah, on a trouvé quelque chose. Alors, âme sensible s'abstenir. Un masque percé de pieux. Apparaît sur le pilier près de la mort. C'est un truc qui se met sur le visage. Vous comprenez maintenant le sens de la pièce des aveugles. C'est pas du tout une pièce où il y a un meeting avec des aveugles. Hein. On les fabrique. Donc là, il faudra mettre cet objet. Hein, ici. Bon, d'accord, mais... Ah, il faut qu'on aille à la pièce des aveugles, alors. Mais est-ce qu'on peut? Je regarde ma petite carte. Oh là, oh là, oh là, oh là. Vous avez vu ça? C'est là où on pourra aller après. Oh là là, c'est du spoil. Je remonte. Donc la pièce des aveugles, c'était ici, hein, dans la salle des Bouddhas. Jardin carré. Bibliothèque. Ce qui m'emmerde, c'est qu'on n'a pas eu le dossier. Hein. Elle est où la salle des aveugles? Je m'en souviens, c'était un truc comme ça. Voilà, salle des aveugles. Ouais, mais tout a disparu. Bon. On l'a pas, hein. On remonte. Oh là. Il y a du combat. Oh mais oh. Regardez ma vie comment elle fond. Putain, je sais pas, je me fais avoir. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Quand il m'attaque, il m'enlève mais de la vie, mais... à une vitesse. Vous savez ce qu'on va faire? On va se prendre un film bleu, vert. J'en ai 99, il faut les utiliser. Parce que maintenant, tout ce qu'on ramasse, c'est pour rien. Ouh! Bah oui, tu cries. Joli. Seuls les cierges rouges sont allumés sur la photo. C'est une affaire qui roule. Je sais où ça se trouve. J'ai eu un petit peu peur là parce que j'ai cru qu'elle allait me tuer. Je m'étais pas remis de la vie. Il y a une petite boîte d'allumettes là où se trouvait le fantôme. Ah, je savais bien que ça nous filait un truc pour faire avancer l'histoire. Elle est vieille, mais les allumettes ont l'air en bon état. Elle est en suc, la petite. Elles font vite.
C'est à se demander pourquoi ils ont mis une barre de vie aussi haute, aussi longue, parce que oui, dès qu'on s'est touché, ça fait énormément de dégâts. Et par contre, dans Fatal Frame 2, c'est pas du tout. Ils enlèvent très très peu de vie. C'est à n'y rien comprendre. Dans Fatal Frame 3, c'est bien fait. On perd pas trop de vie. Et je vous assure que quand on le fait la première fois, là, je vous le redis, le Project Zero, c'est pas un jeu facile. Hein. Ah bon, là j'ai des... Ah! Là j'ai une vibration. Hein. Je suis désolé, mais... Bon, on verra ça sur le retour. J'ai envie qu'on avance. Là j'ai de la vibration. Hein. Oh, j'ai de la vibration. Alors c'est peut-être la vibration, des fois c'est mal fait. C'est la vibration pour me dire qu'il faut mettre le truc en bas. Hein. Parce que normalement j'ai une petite lumière bleue à un moment donné. Bon, on va s'occuper des bougies. C'est pas loin, c'est juste un petit backtracking. Oula, oula, oula. Elle est où? Il se cache derrière les murs. Vous voyez ma lumière, ça me permet de m'indiquer où est le fantôme. Des fois, il se barre. Oula, oula, oula. Oh merde. Oh putain, il faut que je me remette de la vie vite fait là. On a failli mourir. Mais je veux le tuer. Parce que j'ai envie de points pour protéger. Oh là, c'est pas mal. C'est pas mal vu là. Enfin, c'est pas mal joué là. Mais on a toujours pas fait de Fatal Frame. Je crois qu'on en a peut-être fait un seul. Alors du coup, je sais plus dans quel sens faut que je me barre. Non, c'est dans l'autre sens. Oui, je veux tuer tous les fantômes. Normalement, quand on joue la première partie, on s'enfuit souvent. Hein. Mais le truc, c'est de les tuer pour pouvoir avoir des points et puis pouvoir upgrader son appareil. Voilà. Tes histoires de vibrations, ça te donnerait presque des airs de nécromancien ou de dame Irma. Ah oui. Bien compris là. Là j'ai bien compris. J'ai même trop bien compris. Allez, on fait une petite save, vite fait. Hop. Oui, moi je sens les choses. Bon, il me faut des petits ustensiles. Là c'est une petite manette. C'est pareil. Pareil. Là, j'ai un don. Ah. Encore une photo. This way. Fille du Porsche. Vous avez vu? Avec sa petite main, elle m'a montré les bougies. Bon, on va peut-être par contre changer de... Parce que j'en ai combien? Là, j'en ai 90. Bon, on peut rester là-dessus. Hein. Allez. C'était que les bougies rouges hein, qu'il fallait allumer. Ok. Ah, va te faire enculer. Allez, on remet à zéro. Bon, on commence par celui-là qui va éteindre les deux, là. Ouais, quand on a... Alors, en fait, c'est ça. Quand on en allume une, ça allume celui à l'extrémité. Bon, alors, c'est facile. On commence par celui-là. Ah bah non, là, ça va le rallumer. Là, ça va éteindre les deux. Et là, magnifiquement, ça va rallumer les deux. Oui, je suis trop con. On recommence. L'idée, c'est de commencer par l'extrémité. Là, ça rallume. Oh, mais si je fais ça, ça va rallumer quand même l'autre. C'est à la limite, là, on s'en fout. Moi qui suis complètement con ou... Là, si je le fais, ça va l'allumer. Non, ça va l'éteindre et puis après ça va encore l'allumer. Nom de Dieu. Ah mais on peut quand même allumer les blanches. Allez, laissez tomber. J'avais pas tilté, je pensais qu'on pouvait interagir qu'avec les rouges. Bon, là l'idée quand même.
c'est d'allumer ces deux là. Et ben voilà. Ah ben non, il... ah ben celle-là il veut pas. Ah, on peut que allumer. Voilà. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Il y a un vieux manuscrit dans la boîte. Et ben voilà, le manuscrit chat démon. Vous voyez, tout se retouche, tout va bien ensemble. C'est une illustration du chat démon. Je l'ai déjà vu quelque part. Allez, il est où? Ah, c'est bon. On est bien là. On est bien. Quelque chose à prendre là, j'ai vu encore. Il me refile des films. Je sais pas combien il m'en refile à chaque fois. Alors on est plein. Hein? Je pousse mais la porte ne s'ouvre pas. Ah oui, mais de toute façon c'est pas là où on doit aller. Donc on s'en fout. On doit aller foutre le manuscrit. On retourne dans la chambre des poupées. J'aurais pu faire une petite save, mais bon, ça va. On a fait que les bougies. On va pas mourir. Si on fait attention, on va pas mourir. Si j'arrête d'appuyer sur Select au lieu de triangle pour aller dans le menu, on va pas mourir. Donc vous... Quoi donc? De qui? Ça c'est les enfants dégueulasses. Putain, j'ai la manette qui vibre là. Bon ça va, c'est pas difficile. Pourquoi il veut pas prendre le feu? Elle m'a bloqué! Bon, je me mets un coup de vie. On peut mourir en deux coups, hein, c'est ça qui est. Allez, c'est bon. Il dit pas que des conneries, mais il est toujours présent. Hein. Oui, d'accord, tu parles de toi. Me demander. D'accord. Là, attendez, il y a encore une photo à prendre. Bon, on peut se permettre d'utiliser un film vert, on en a tellement. Attendez, c'est où? C'est pas là. Ah. Essaye de trouver le. Pas ça. Non, c'est sur ma droite. Je l'entends dans mon casque. Ah, c'est au sol. Qu'est-ce que c'est que quoi? Regardez la petite fille, elle s'est fait attraper par un fantôme. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Qu'est-ce que tu marques, Nictaras? Alors qu'est-ce que vous m'avez marqué comme saloperie en vérité? En vérité, j'ai refoutu ma malédiction de connexion pour Anicta. Oui voilà c'est ça maintenant, toi t'es en 4K maintenant et lui il est en 480. Ah mais grave, la déclinaison du chat et après t'as plus d'accès. T'es obligé de relancer Chrome à chaque fois. Ah tu regardes sur le navigateur. Oui bah de toute façon oui tu étais sur Twitch. Parce que moi je regarde Twitch sur ma télé. Un autre endroit apparaît sur la photo. J'ai mis la photo dans mon dossier. Ouais, elle va se regarder ça ce soir avant d'aller se coucher. Bon vous vous souvenez, on peut mettre le dossier. Hein. Il y a de la place pour accrocher un manuscrit. Oui, évidemment. Lorsque j'ai accroché le manuscrit du chat démon, j'ai entendu le bruit d'une serrure qui s'ouvrait dans le mur. Tiens donc. Ah, j'adore les portes secrètes. Et regardez-moi ça, on se retrouve là où on était, la salle des kimonos. Vous en souvenez pas, vous, parce que vous connaissez pas bien le jeu.
Mais moi, je me rappelle. C'est là où on avait mis la toute première... Il est où? Oh putain, pour l'avoir celui-là, le gamin. Difficile, hein, quand même. Des fois, ça va vite, hein. Si on fait le jeu à 100%... Vous vous souvenez, là, c'était le tout premier truc qu'on avait fait. On avait posé le miroir. On dirait une vieille commode à kimono. Oup, oup, oup. Vous avez vu? Là, elle a bougé, donc ça nous a pas fait trop peur parce que je venais de l'inspecter. Mais des fois, on est dans le manoir et puis il y a un truc qui bouge. Mais au bout de... Des fois, on tourne en rond dans le manoir pendant des heures et puis il y a quelque chose qui bouge. Je peux vous assurer que c'est efficace. Ça fait peur. C'est ça que je voulais dire. Bon, il est où? Où le gamin, là? On va faire le petit tour. Regardez quand même là. Là, normalement, on peut ouvrir ça. On peut interagir. Oui. Moi, j'ai la télé en immense là devant moi. À chaque fois, ça, je sursaute un peu quand même. Je fais le malin, mais. Et il y a un rouleau de films dans le placard. Oh! Des rouges! La pellicule 74. Bien fait de regarder. Bon, bah, on sort, hein. Attendez. Oui. Il faut faire le tour. Je me souviens bien. Voilà. Il y a encore quelque chose ici. Petite pierre spirituelle. Je vais pouvoir utiliser deux fois mon pou... On a entendu le petit bruit là? Ok. Donc là on est toujours à la recherche du gamin qui court. Hein. Là, il y a la salle des aveugles. Je sais pas comment on y accède. Hein. Je regarde sur mon plan. Je serais tenté d'aller à gauche parce que ça fait une éternité qu'on n'y a pas été. Et puis, normalement, tout est condamné. Peut-être que maintenant, il s'est passé quelque chose. La porte refuse de s'ouvrir. Bon, très bien. Ah oui, j'ai bien fait, regardez. Enfin, pas pour ça. Il y a une boîte de films sur le plancher. Ok. Non, j'ai bien fait, avant ici c'était condamné. Hein? Je pousse mais la porte ne s'ouvre pas. Elle semble verrouillée depuis l'autre côté. Ah! Ça nous permettra d'aller dans le jardin carré. Bon, on se casse. Franchement, ça fait trois fois qu'il y a le gamin qui court. J'ai pas réussi une seule fois à le prendre en photo. Hein. On retourne là. Ouais. On retourne au début du jeu. Ambiance bleutée. Lumière tamisée, ambiance feutrée. Bon. Ah. Très bien. De Dieu. Il est où? Il est où le gamin? On peut rire. Oui, oui. Ah putain, foiré. Ah, je l'ai eu là. Excusez-moi, je me mets de la vie parce que j'ai peur qu'il me tue en un coup. Ça serait vraiment... Combien de fois je suis mort dans ma première run? Oh, je l'ai eu. Oh, joli. Il m'attaque par derrière, ce petit bâtard. Qu'est-ce qu'il y a? Il a disparu? Il est pas mort, hein.
Joli. Joli, je m'attendais qu'il soit derrière moi. Sale gamin. Enfin, pardon, il a été possédé et certainement mort d'un... Il est mort dans le puits, c'est lui. Je dois remettre le miroir à cet homme. Quelque chose brille là où se trouvait le fantôme de l'enfant. On a encore un morceau de miroir. Repris le miroir sacré, je me demande ce que ce miroir signifie. Bon, d'accord, très bien, mais... Mais encore. Il y a un petit truc que je voudrais aller voir, c'est... C'est encore vibré ici. Ah bah voilà. Quelque chose apparaît sur la photo. Et c'est le petit enfant, il a été malmené par... par un démon. Hein. Comme malheureux. Et maintenant l'escalier est à nouveau praticable. Hein. Alors maintenant qu'on a le morceau de miroir... Je regarde mes fichiers. Morceau de miroir, on en a qu'un. Hein. Eh bien écoutez, on peut s'arrêter là. Je vais aller faire une petite sauvegarde. On peut s'arrêter là pour aujourd'hui. On a récupéré, on a fait une bonne VOD là, ça fait une heure et demie. Hein. Ça peut être pas mal, on s'arrête là. Moi je vais aller faire une petite save. 1h30, c'est très bien. Je sais pas où on sauvegarde par contre, par ici. Je peux retourner au début. Bon allez, c'est sur le chemin. Tu restes avec nous jusqu'à la save. Ouais, en plus t'as des déconnexions. Bah oui. On va tourner à gauche là. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose. Un trigger. Non, même pas. Je m'attendais à ce que le jeu nous indique un petit peu la marche à suivre. Parce que là je vois pas hein. Moi, j'étais en train de suivre le gamin. Je suivais le gamin, donc je pense... Je me disais qu'il allait nous filer un objet, vous voyez. Genre le masque des aveugles. Et bah, pas du tout. Il m'a rien donné, donc du coup, là, je me retrouve un petit peu embêté. Comprenez? Mais très bon run, les fantômes et l'ambiance, c'est vraiment cool. Ouais, bah, ça me fait plaisir si ça vous plaît. Écrasement des données réussi. Bon voilà. Très bien. Hein, petite VOD là d'une heure et demie. Petit parcours d'une heure trente. C'était très sympa. M'a fait très plaisir. Surtout qu'on là on a avancé. Puis bon, je vais pas vous mentir. On va vite trouver où faut se rendre demain. Donc demain, 9h30. Hein, armée, équipée, motivée. Sourire aux lèvres. Je vous donne rendez-vous. Et puis je vais vous souhaiter une bonne nuit. Bonne nuit Léa, bonne nuit Nictaras, bonne nuit ceux qui nous regardent. Et puis je vous laisse sur mon excellent générique de fin, voilà. Hein. Allez, bonne nuit à vous. Et certainement à demain si vous êtes là. Allez, gros bisous. Comment je fais? Ah oui, c'est là. Allez, ciao.